bataille que des générations divines diverses ont pu avoir, et le fait qu'à un moment donné, Zeus s'empare de la royauté du monde et crée un ordre qui, cette fois, est définitif. Alors que son père avait créé un ordre qui était destiné, lui aussi, à tomber. Comment, avec une certaine forme de divin, l'ordre se fige, s'arrête et devient immuable. Il est certain que quand a paru vers, je sais plus, 1960, je crois, le grand travail de Jean-Pierre Vernant sur la théogonie d'Hésiode, et où il résolvait avec une suprême élégance un problème sur lequel avaient buté tous les interprètes jusqu'à présent, j'ai reconnu aussitôt un frère en esprit. Mais là encore, il y a des différences. Les mythes grecs ne se situent pas exactement au même niveau, sur le même plan, que les mythes africains ou que les mythes sud-américains ou nord-américains ou que les grands mythes de l'Inde. Comme Jean-Pierre Vernant l'a très bien souligné, l'helléniste appréhende les mythes à travers des œuvres littéraires, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas dans les sociétés sans écriture. Lévi-Strauss a écrit plusieurs études sur le mythe d'Édipe, il y est revenu plusieurs fois, il a mis en lumière toute une série de points, et il s'est, je dirais volontiers, un peu amusé, mais un jeu sérieux, comme dirait Platon, à prendre le mythe d'Édipe que tout le monde connaît, pour montrer comment on peut analyser, pour montrer comment il ne faut pas prendre le récit, en quelque sorte, dans son déroulement du début à la fin, il faut regarder quels sont les différents thèmes. Alors, il en voit quatre dans le mythe d'Édipe, je n'insiste pas. D'un côté, il y a une surévaluation de la parenté, avec une série d'épisodes. Ensuite, une sous-évaluation de la parenté, une autre série d'épisodes. Ensuite, une espèce de négation de l'autochtonie et une valorisation de l'autochtonie. Et il montre que c'est dans la logique entre ces différents thèmes qu'il faut comprendre le mythe. Et en poussant cela, il est amené à mettre en lumière un élément qui n'avait pas été tellement pris en compte et qui est la boîterie. Alors, il a bien mis en lumière les rapports entre la boîterie, l'inceste, le parricide, la position de tyran et ce que je pourrais appeler, entre tous ces personnages du mythe, les défauts de communication. Soit il y a trop de communication, soit il n'y en a pas assez. Les gens ne sont pas à leur bonne place, si je peux dire, dans l'échiquier où chacun doit avoir sa position par rapport aux autres. Alors il a fait ça, et bien entendu, moi quand j'ai regardé cette histoire, j'ai fait tout autre chose, obligatoirement, puisque moi, je ne peux pas prendre les choses comme ça. Moi j'ai affaire à Édipe Roi et à Édipe à Colonne, deux tragédies que je ne peux pas réduire à quatre colonnes. D'un côté, il y a une histoire que, si vous voulez, je peux réduire à l'état d'épure, en regardant seulement les thèmes fondamentaux, et en trouvant des phrases qui me permettent de résumer ces thèmes fondamentaux. Édipe tue son père. Les deux fils d'Édipe se tuent entre eux. Voilà, point final. Et puis, Édipe couche avec sa mère, Jocaste. Mais moi, c'est pas ça que j'ai. J'ai pas des petites, comme ça, des petits morceaux de récit dont j'essaye de voir la logique. J'ai une œuvre qui est une œuvre tragique et où l'intention de l'œuvre, il s'agit de la ressaisir, c'est-à-dire d'essayer de voir dans tous les détails comment ça se présente, avec un début et une fin, une espèce de roman policier où Édipe découvre à la fin qui il est en découvrant qu'il est le meurtrier sur lequel il a jeté l'enquête policière. Donc le point de vue n'est pas le même. Et tout en n'étant pas le même, il suffit de lire les deux articles fondamentaux, enfin, les plus importants pour moi, que j'ai consacré à l'histoire d'Édipe, pour voir que, sans l'analyse de Lévi-Strauss, sans cette espèce de gamme qu'il a fait au clavier pour voir comment ça marchait, je n'aurais pas pu voir, en effet, les rapports que j'ai essayé de mettre en lumière entre le fait qu'il a un pied qui ne marche pas bien, c'est-à-dire qu'il ne marche pas droit,
qui ne communique pas droit dans sa route, et puis tous les autres défauts de communication qu'il va avoir avec sa mère, avec son père, avec la cité, etc. Je n'y serais pas arrivé. Et le rapport que tout cela peut avoir, historiquement, à mes yeux, avec le personnage du tyran tel que le 5e siècle athénien le conçoit, comme un personnage qui lui aussi, d'une certaine façon, est boiteux, qui couche avec sa mère, qui peut massacrer les gens qui lui sont les plus proches. Bref, mon analyse d'une œuvre tragique que j'essaye de situer dans son contexte historique, elle a été éclairée par cette analyse formelle que de Chic, et en s'amusant dans ce que, je répète, est un jeu très sérieux, en faisant ses gammes, Lévi-Strauss avait mis en lumière. Oui, ici, je dirais que Jean-Pierre Vernant, comme je le disais tout à l'heure de Luc de Heuch, a eu la générosité de gommer certaines choses, car, au fond, il n'était pas d'accord avec cette interprétation, et je dirais qu'il avait raison de n'être pas d'accord. Parce que ce que j'avais fait, c'était une très grande maladresse, je dirais, d'un point de vue didactique. Il s'agissait que, dans un article relativement bref, j'essaye d'expliquer pour la première fois ce qu'allait être ma méthode d'analyse des mythes. Et je me suis dit, je ne peux pas commencer avec des mythes américains que le lecteur ne connaît pas, qu'il va falloir raconter dans le détail, enrichir de toutes sortes de données ethnographiques. Prenons quelque chose que tout le monde connaît depuis toujours et ce sera beaucoup plus simple. Et alors, j'ai pris ce mythe d'Édipe, mais ce mythe d'Édipe, qu'est-ce que c'est? Disons, un ensemble de variantes qui se sont constituées dans la pensée occidentale depuis les temps homériques, où il en est pour la première fois question, jusque et y compris Freud, c'est-à-dire une réalité fluide et inconsistante. Alors que pour l'helléniste, Jean-Pierre Vernant l'a très bien souligné, le mythe d'Édipe, ça n'existe pas en tant que tel, c'est une œuvre littéraire, celle de Sophocle, construite non pas à partir d'un mythe, à supposer qu'il n'y ait jamais eu un mythe, mais à partir d'une légende qui traînait dans la tradition grecque. Et je me suis permis, je vous dis pour des raisons didactiques, mais j'ai eu tort, je me suis permis de faire en quelque sorte l'impasse sur tout ce que les hellénistes ont à dire sur cette œuvre littéraire, qui a été conçu par un certain auteur, Sophocle, pour un certain public, l'Athènes, de ce temps, et qui était toute pleine de préoccupations d'ordre philosophique, d'ordre politique, qui doivent jouer un rôle et qui doivent être prises en compte dans une interprétation. Si vous aviez une question à poser à Claude Lévi-Strauss. Bon, j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Peut-être celle-là, qui est au fond indiscrète, ça ne regarde que lui, qui est sa philosophie de la vie, de l'homme et du sujet. Je pense à plusieurs reprises, il est revenu là-dessus, et c'est la fin des Tristes Tropiques. Tout cet effort pour distinguer des catégories, l'affirmation que la pensée fonctionne en opposant et en marquant des relations d'opposition, d'homologie, pour aboutir à une conception, non, qui n'est pas du tout panthéiste, c'est pas du tout panthéiste, mais c'est l'idée que finalement tout ça est destiné à disparaître, et que ce qui reste, c'est un sentiment de communauté humaine. Comment est-ce que peuvent s'allier chez lui cette extrême effort de construction intellectuelle claire, cette volonté de lucidité, d'élucidation, en mettant